Donc, on est ici avec le rosé tranquille. Oui, c'est ça. Donc, le rosé tranquille, ce sont des vieilles vignes, pratiquement à 100% cinceaux, D'accord. En pressurage direct. Donc, c'est rosé de pressurage. Oui, tout à fait. Et on a essayé de mettre un tout petit peu de syrah juste pour tenir la couleur. D'accord. Mais on a essayé de faire quelque chose plutôt aromatique, plutôt pour accompagner le printemps, l'été, Oui, quelque chose de quelque chose de frais, frais. sur le Voilà. fruit, la fraîcheur, le fruit, quelque chose qui se laisse boire facilement. Exactement. Juste pour le plaisir. Voilà. C'est ce qu'il faut pour un rosé, de toute façon. Exactement. Avec de la fraîcheur toujours qu'on retrouve en terrasse du Larzac. Donc du fruit et de la D'accord. fraîcheur. Et de la légèreté, il n'est pas trop alcoolisé par rapport au. C'est pas un rosé gastronomique, c'est un Ouais, rosé. vraiment rosé plaisir, rosé Exactement, d'apéro, c'est ça. allez, mettre sur une pizza ou une viande grillée aussi, ça peut être très Ça peut bien. le faire aussi. Ah, c'est vrai que c'est très bon, ça se boit très facilement. D'ailleurs, moi je l'ai bu. Fallait pas. Il y a un Mais petit, c'est ouais, avec une petite plaisir. salinité en fin de bouche aussi Ouais. qui appelle à une autre gorgée, donc Ouais, c'est vrai. c'est ce qu'il faut pour l'été. C'est Pas vrai. chercher plus loin.